Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maxime Moulin et on se retrouve pour la suite de la Solus de Vampires The Masquerade Bloodlines. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire. Là, vu que ma carte graphique a un peu trop chauffé hein, à cause de la canicule ambiante en ce moment, là, j'ai dû, comment dire, bah évidemment, la retirer parce que voilà pour la laisser se reposer un petit peu. Donc voilà, sans carte graphique, ça veut dire déjà vu que ce jeu il demande putain de carte graphique, on va laisser tomber pour le moment. De toute façon, j'ai un taquet de vidéos en stock, voilà. Par contre, quand je reprendrai, je suis plus sûr que je serai bien dans le jeu hein. On va peut-être perdre un peu le contrôle des touches, mais bon. Ça va toi? Oui, là je suis avec ma titi, hein, avec Lara, comme je l'appelle. Le nouveau. Le roi des pigeons préféré. Voilà. Ouais, je t'en ai remercié. Vampire bêta, et je voulais simplement aider la communauté. Somebody in this joint's got a lack of restraint to keep their mouths shut. Peut-être à bientôt, demoiselle. Et demoiselle, vous passez. Oh, je peux pas vous joindre. Oh, non, du cas. J'en ai assez de la croix, je pourrais avoir envie de rejoindre les anarches. Ouais, j'ai essayé de passer pour une chochotte, mais ça me convenait pas. Hein. Oh! Tu me réponds ou quoi? Je te cause. D'accord. Je porterai mon uniforme de la Caria et en dessous mon treillis. With someone on the inside, we should be able to eject his candy ass a whole lot sooner. Keep us conscious, can we? J'adore mon petit surnom. Je vous murmurerai tous mes secrets. Ouais, j'adore la musique. Bon, arme interdite, oui, bah, salut mec, ça va? Je suis déjà plus là. Ah, salut toi. Ouais, Nines à présent. Les anarches ne protégeront-ils pas ce prince guerrier? Puis j'ai des anarches. Je ferai ce qui doit être fait. Le bouffon m'envoie à prendre ce terrible talisman. Quel besoin a-t-il de ce terrible talisman? Ça intéresse mon petit rat là, mon nouveau rat blanc. Ouais, j'ai déjà joué à Diablo. Je connais Diablo X9. Je connais ce sombre méfait. J'aurais peut-être dû lui laisser poser la question quand même. Ah, le sang noir, le prince noir. Peut-être qu'il aime bien les vieux. Le bouffon veut son trésor, que faire? Ouais,
Mon sombre s'assoupit, adieu, non, j'y connais. Je peux avoir. Partageons autre chose. Parle-moi des humains puissants. Tu te préoccupes des humains? Il souffle dans le vent de la tempête vampire. As-tu entendu parler du Grunfeldbach? C'est un soldat de l'armée de Léopold. Mon ombre s'assoupit dans d'autres domaines. Salut, ça va mal aller quand même, hein. On se retrouve dans 3 millions. Salut. Ah oui, là, j'ai appris plein de trucs. La croix de la vieille boîte du bateau, il y tient. T'es plus gentil comme ça, t'es toujours aussi mignonne. Quoi. Il y a beaucoup de voix qui parlent fort pour ne rien dire. Il adore ton t-shirt. D'après Homer, il aime les joueurs de hockey. Anecdote à la conne. Je vous apporterai d'autres secrets plus tard. Allez, va jouer à Call of Duty, hein. Et le flipper, il est juste à côté. Qu'est-ce que tu fais, Titi? Oui, alors, on l'appelle Titi ou Lara Croft, hein, la nouvelle, là. La Croft, parce qu'elle arrête pas de s'accrocher au... Bah, elle est comme Lara, hein. À s'accrocher partout et tout, voilà. Même au cou, elle s'accroche. Oui, petite titouille. Ah, t'es une toute petite, hein. T'es un petit bébé, c'est un petit raton, hein. C'est un raton. J'espère que le fait que j'ai une... que j'ai plus de carte graphique ne va pas faire en sorte qu'il y ait encore un plus gros décalage. C'est là qu'il n'y en a même plus. En fait, ne pas avoir de carte graphique, ça améliore certains trucs, il n'y a plus de décalage. Bon, déjà, dès le début de la vidéo, il y avait une bonne qualité. Bon, ça s'est empiré. Voilà, ça, il n'y aurait pas eu. Hein. Ça commence mauvaise qualité et avec un peu de chance, ça finit bonne. Avec un peu de chance, ouais. Des fois, ça marche. Quand je vois que les secondes ont du mal à se dérouler sur le compteur, j'espère que c'est pas, ça va pas provoquer une vidéo. Bon, on va aller à Hollywood. Where to? Et vas-y. Voilà, il y a un coup de rame là. Ça rame rame. Ah, salut, on va, bah je sais pas. Et toi, tu vas où? Et tu veux manger un pancake? Ah bah moi je sais pas, hein. Wesh. J'ai remis mon tapis de souris, mais... Là, je sais pas, depuis un petit moment, la souris déconne avec ce tapis. Et savoir pourquoi. Oh, regarde, un panneau ambulant. Isaac's in the jewelry store at the end of the street. Consider yourself invited. Merci. Cette ville même déjà. putain. Ok, donc faut que j'aille voir le baron. Mais je vais d'abord m'arrêter au Red Spot là. Red Spock. Yes, Spock, il nous attend à l'intérieur. Mais il est rouge. Salut toi. 72 ounces of your favorite beverage for 89 cents. And hey, why don't you call me? You need help or something? Area code 223 KL5 KT18. Humility? T'as l'air vraiment motivé pour mes tirs. Je me cagne dans cette vie. Insects. As in you have an insect problem. Je ne bois que du sang des vivants.
You're gonna have to talk to the manager. You have nightmares. Like that sexual harassment case. No, I don't even know. Okay. When you fall asleep, they can crawl into your mouth or your ears or your nose. You can't prevent it if you're asleep. N'importe quoi. Le tueur qui arpente les rues, est-il encore sali les mains? Ouais, comment t'as deviné? La ville des écoliers est en feu. Le crématorium. Ok, sympathique. Y a-t-il d'autres situations dans lesquelles je dois me mettre? J'entrerai plus tard dans ce volcan. Mais je t'emmerde. Je n'ai pas besoin des boissons améliorées des vivants. Qu'est-ce que tu suggères en fait? So, have you written any movies I might have seen? Well, I actually haven't finished any screenplays yet. I see. So, have you done any other kinds of writing? Vois mes yeux, montre-leur ton menu. Biscuit, sandwich, vodka, arme, cherchez l'intrus. So, if you haven't really written anything, how can you call yourself a writer? Because I once fixed my toilet doesn't make me a plumber. Vois mes yeux, montre-leur ton menu. Is there anyone in this city that doesn't call themselves a writer or actor or... Oh, il est mignon ce Colt. Donc là, on a de nouveaux trucs. Le marteau et le Colt. Anaconda. Ah, ça, il est puissant celui-là. Hein. Si vous vous souvenez pas, c'est l'arme de Barry dans Resident Evil Rebirth. Vous savez, il y a le Colt Python. Celui qu'on utilise souvent. Et le Colt Anaconda qui est utilisé que par Barry et qu'on peut récupérer à une certaine occasion. Mais ça, je vous l'avais dit. Voilà. Donc là, on a le Colt Anaconda. Ah oui, il est très puissant. Même en vrai. Hein. C'est un des meilleurs Colts. En fait, plus le Colt a un nom de serpent gros et puissant. Enfin, en tout cas, serpent puissant. Bah, plus il est puissant. Hein. Donc l'Anaconda, il est très gros et puissant. Donc voilà. On devine, hein. Mais salut toi Titi. Oui, je sais, il y a du vent, mais chaud hein. Ah, c'est chiant la canicule là en ce moment. Ouais, ça semble... ouais, dans certains coins, c'est vraiment canicule. Ah si, parce qu'il n'y a vraiment pas d'air même la nuit. Eh, Titi, qu'est-ce qu'il y a? Titi Ralbinos. Oui, c'est encore un Ralbinos. Oh, Little Red, je vais m'acheter quelques bouquins. Oh, de la bière, vas-y. Oh, il y a quelqu'un qui a oublié son portefeuille. Eh ben, merci hein, beaucoup, hein. Je suis content que vous l'ayez oublié. C'est fermé. Ah bah putain, qu'est-ce qu'il y a d'autre? À part des bouquins de merde, il y a quoi d'autre? Je voudrais des petits frosties, hein. Toilette, ok, bon endroit pour aller tuer quelqu'un. Un hot dog. Oh, il y a un client là-bas. Et il ne me plaît pas ce dernier. Casse-toi, 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 connard. Ah bah c'est bon, on dirait qu'il m'a pas remarqué. Hé, j'adore, et là pile poil il me remarque. Foutage de gueule, foutage de gueule. Il est passé tranquillos, dès qu'il regarde son magazine, il me remarque. Foutage de gueule. Eh ben, esprit, toi t'es crevé, mais pour de bon. Alors, on me fait des violations de la mascarade? Mais quoi, j'ai buté le seul témoin, donc finalement ça viole plus. Logique de merde, hein. J'en ai marre. Ça va, toi? T'es gentil. Donc voilà, Hollywood sympathique hein, quand même. Hein. Oh. Bonjour, je viens chercher grand-mère.
Un bon façon d'entrer dans le truc. Oh, un petit rat. Ok, y a rien. Salut les vieux. Salut les clodo. Donc là, le restaurant Cavaletti Pepecaletti. Et là, oh bah tiens, c'est le mec qu'on doit persuader de mettre une mauvaise note. Salut. Ce n'est pas moi qui attends, je voulais. This is an important opening, and I emphasize I am going to make or possibly break this restaurant. Ouh, t'as l'air emmerdant, celui. T'as l'air d'un gros emmerdeur. Puis je t'ai fait votre existence, des verres d'omelette. Bien que mes citations de herbes devant vous, j'applaudis avec vous. Trying to decide if this place is thumbs up or thumbs down. Me, Tommy Flayton, the food authority of Los Angeles. Je n'ai qu'un seul doigt pour vous, mais ce n'est pas mon pouce. J'adore, je n'ai qu'un seul doigt pour vous, mais ce n'est pas mon pouce. J'avais vu ça, mais au dernier moment, j'aurais dû le mettre, hein, quoi. Ouais, donc t'es bien celui que je recherchais. Mais oui, bien sûr, je n'ai jamais entendu ce nom. Oui, oui. You're wasting my time. La Titi, fais gaffe. Le temps est un oracle. Salut. C'est pas ce que tu es en train de dire, mec. Hein. Le sang de homard en short, vous êtes Tommy Flinton, le front. C'est une blague. Vous faire critique cet endroit, je ris. Enfin, ça. Ça me regarde bizarrement frapper le record. Donc là, je vais essayer de lui persuader. Vous, moi, parler. Je sais pas trop ce que je veux vous dire, je pars. Donc en fait, mon truc d'intimidation ne marche pas. Pas sur, sûrement pas assez élevé, hein, je sais pas. Bon bah, vu que ce dernier m'emmerde un tant soit peu, je regarde s'il y a personne et je bute. Allez, c'est quand que je le bute, c'est quand je le bute, c'est quand je le bute, c'est quand que je le bute, c'est quand que je le bute. Ouais. Allez, on va essayer de le raisonner encore, hein. Parce que je dis. Tu m'emmerdes, hein. Voilà. Bon bah, j'emmerde le prince, hein, parce que franchement là, j'ai pas envie de perdre mon temps avec un gros con pareil, hein. Et tu sais quel sort je réserve au gros con pareil, hein. Un coup de boule, Zinedine Zidane, vas-y. Non, j'ai con. Ah, moi, il m'aura servi à quelque chose quand même. Vous avez choisi. Vous avez échoué. Mais il m'a emmerdé, donc voilà. Bah, finalement, le restaurant n'aura aucune note. C'est vraiment génial. C'est fermé. Le temple machin truc là, il est ouvert. Toc toc toc, je viens demander asile. Parce que je suis fou, donc je vais aller dans un asile. C'était un jeu de mots. Bah visiblement c'est là la fameuse boutique dont on m'a parlé, hein. Vas-y. Je vais aller voir le baron Isaac, celui que je dois chercher justement aussi. Comme ça j'aurai réussi l'un des deux trucs que la croix me demandait, hein. Enfin, j'espère, hein. Parce que s'il m'emmerde, je le bute. Seems the wooden soldiers of the Camarilla shuffle in a little too often these nights. That baby-faced two-bit Prince LaCroix got something to say to me? C'est votre messager qui m'a détourné par ici. All kindred that enter my domain are expected to introduce themselves. It may seem like an outdated formality, but it serves its purpose.
La présentation sera faite, finie de jouer, je vais dériver ailleurs. Le aïe de la croix ne veut pas dire l'aïe. Le la de la croix. J'adore le jeu de mots aussi là. I don't recognize it, and neither will any kindred under the protection of this barony. Oh, ça clash! Où se cachent tous les rats d'égout? Vous avez bien répété votre discours? Et je vous répète que je veux partir. Magicane, où sont les rats d'égout? Of all people, where he could find the Nosferatu, has it truly come to this? Ah, il est réduit à renlever, à envoyer celui qui déteste le plus. Il a en... Quel enseignement suis prêt à partager? Va te faire foutre. Payé pour quelqu'un qui vit dans une bijouterie, vous êtes un peu gourmand. Ils viendront se plaindre que votre sang inondera les égouts. Ouais. Pour l'instant, j'ai toujours une chatte de malade dans ce jeu, donc ouais. Faut que j'aille chercher un film porno, c'est ça? Je ne vous payerai même pas un taxi, blablabla, bla bla, vous parlez encore à votre âge. Pourquoi tu poses la question? Mes oreilles sont allergiques à votre voix. T'es obstiné, toi, hein? T'es sûr que t'aimes pas la croix? Parce que être pour obstiné à tel point, à me laisser ma chance pour... Au Ground Zero, putain. Vous aimez bien voir les gens en laisse, hein? You'll be asking some whelp to do the same thing. And as I mentioned, this is simply a matter of tribute. Excellent. In the meantime, consider yourself a welcome guest. Je vais ramasser votre courrier. Welcome to Hollywood. Merci, connard, hein. Bon, bah on y va. Bon, voilà. Bon, on va aller faire son truc. J'espère qu'il n'y a pas d'imprévu sur le chemin. Donc, il y a les Nosferatus qui ont des problèmes, hein. Vous aurez compris, hein. Ils sont plus dans le coin. Il y a quelque chose qui les chasse. Leur territoire. Mais, faut découvrir quoi? Qu'est-ce qui les chasse? Je sais pas pourquoi, mais je sens que je vais pas aimer. Ah bah on y va, hein. Ouais, bah le Ground Zero. Bah le Ground Zero, déjà, il est pas affiché sur la carte. Ça, je vous le dis. Il est près du restaurant. C'est celui, entre le 3 et le 7. Ah, il est vert, là, ouais. Voilà, je dirais même à l'extrême mité du 3. Je suis même pas sûr que ce soit dans l'autre bâtiment. Voilà, vous aidez dans votre quête des Nosferatu. Si vous avez le Ground Zero. Un petit café. Merci faire un bon café. Bon, on va y aller, hein. Oh my gosh, is that you? Everyone was worried sick about you. When you didn't Allez, on y va. Didn't call and nobody knew anything about what happened to you. We thought you were dead. Are you okay? What? You know what? Never mind. We have to help you. What the fuck? Oui, mais bien sûr, madame. Mais bien sûr. La folie, croyez-moi, je connais, hein. Ouais, ouais, et toi, tu es complètement, mais taré. Non, mais casse-toi.
C'est ma première expédition dans cette ville, je n'avais jamais rencontré d'autochtones. Oh, c'est mignon, bonjour. Oui, moi je suis Jean-Claude. Ha ha, qui a encastré cette plaisanterie. Oh, c'est grandiose. Oh, je me marre, non, mais franchement, caméra cachée là. Vas-y, t'es qui en fait hein? T'es une célébrité, je suis sûr. Hein? C'est vrai, sosie hors notre sosie là. T'es sosie de qui? Jennifer? Non. Psy, peut-être. Ah là 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 là. Ah, ce n'est pas un jeu, ne participe pas. Mon visage est populaire, je me sens impersonnel. Je suis son double magnifique, je regarde. Tu vas passer un coup de fil? J'aime pas qu'on me donne d'ordre. Donc quand on me dit de rester ici, je suis... Bon, je pourrais me la faire, mais franchement... Ça m'intéresse quand même tout ce qu'elle dit, là. J'ai des doutes, maintenant. Donc je vais écouter. Je pourrais la buter tranquille, mais... Qui sait, hein? Peut-être que l'autre con, quand elle m'a fait devenir vampire, elle m'a fait perdre des souvenirs, hein. Par hasard, tu serais pas comment je m'appelle? Fais pas comme si je t'entendais pas, hein. What the fuck? Quoi? Mais peut-être qu'on se connaissait. Franchement, violation de mascarade, peut-être qu'on se connaissait. Je sais que je suis vampire maintenant, mais... Putain, c'est pas comme si elle venait d'apprendre que j'étais vampire. Faut arrêter. Bon, ben... Ah bon, au revoir, madame. Bon, là, je sauvegarde. Allez. Tout va bien se passer. Bon, au revoir, madame. Où je vais, moi? Mais arrête de me suivre. Ouais, on est content de se voir. Au pire, on se file un numéro, on se donne rendez-vous quelque part. Mais là, j'ai des petits trucs à faire. Hein, donc, je suis enchanté de te revoir, hein, si on se connaissait déjà, Samantha. Mais, non, j'ai autre chose à faire. Tu vas pas me suivre jusqu'à Jean-Paul Land, hein. Mais casse-toi! Mais tire-toi! Ouais, c'est ça! Bah voilà! Bon, déjà, je vous explique. Donc voilà, j'étais étonné la première fois que je suis tombé sur ça. Le pire, c'est que dans Zeus, c'est mentionné nulle part. J'ai cherché sur des forums pour voir, pour m'enseigner sur le truc, pour voir si on pouvait continuer le truc. Non. Je vous le dis là, c'est tout ce que vous verrez avec elle, hein, Samantha. Ouais, bizarrement, ça continue pas. Alors, si quelqu'un a une explication sur ça, alors est-ce qu'elle dit vrai qu'on se connaissait avant ou est-ce un piège? Moi, je penserais la première. Je sais pas, c'est chelou. C'est chelou. Et le pire, c'est qu'on pourra pas continuer. En plus, après, on va la perdre. Enfin, on va se séparer d'elle et on la reverra plus. Ouais, on la reverra plus jamais. C'est bizarre. Donc voilà, qu'on m'explique. Surtout, il y a un truc qui va devoir nous séparer de force et vous allez voir ce que c'est. Bon, déjà, là, on arrive au cimetière du coin, sympathique. Ouais, tout va bien se passer, mon cul. Oh, putain, une chasseuse de vampires. Donc, je vous avais dit qu'à Hollywood, les chasseurs de vampires ont l'art de nous tomber dessus comme ça. Hein. Et donc, voilà. Donc là, on va devoir quitter Samantha parce qu'on se fait agresser. Et voilà. Sauf qu'elle va pas nous suivre. J'ai vu qu'elle...